Ok. On va gérer ça. On va gérer ça. Ce n'est pas fini. C'est vrai qu'il bouffe le Django aujourd'hui. Du pire des cas du PCNL. Depuis les gars du PCN, je n'aime pas la vérité. Les gars du PCN sont là. Depuis les gars du PCN. On va parler de Nouran Foster. Non, j'aime le feu de bois. Bon. Ouais, que. Quand on vous demande d'aller à l'école, vous ne voulez pas. Quand on vous dit aller à l'école, vous ne voulez pas. L'argent ne fait pas tout. Parce que quelqu'un qui part à l'école, tu dois savoir ce qu'on appelle immunité. Respect. Humilité. Tu dois connaître toutes ces choses-là. Vous savez, je ne vais pas cesser de vous dire certaines vérités. Je ne vais pas cesser de vous dire certaines vérités. Parce que je suis le fils de la nation. Parce que je suis le fils. Attends, je lis les commentaires un peu. Je lis les commentaires. Ouais, il y a le petit feu de bois. Là, on est rentré là, fatigué. L'école est bien. L'école est bien. Quand on est parvenu quelque part, c'est très mauvais pour la santé. Quand on est parvenu quelque part, c'est très mauvais pour la santé. Et pour le bien-être de l'environnement. Quand on a des députés, quand on a des députés qui n'ont pas un niveau scolaire requis, quand on a des députés qui ont un comportement de sous-quartier, quand on a des députés qui sont des parvenus, quand on est dans un parti politique qui reflète ce genre de députés, là il faut parler fort, on ne vous voit pas. On a des députés de la République, elles sont fausses partout. Les faux chevaux, les fausses mèches, le faux teint, tout est faux. Tout. Si on entre dans les, si on entre dans les profondeurs, si on entre dans les profondeurs, même le diplôme là, c'est faux. Quand il va parler, on va dire qu'Amer est tribaliste.
pour être élu du peuple, il faut qu'on change la constitution. On doit mettre, ne peut être que lui de père camerounais et de mère camerounaise. Voilà, on veut montrer aux gens qu'on aime tout le monde. Résultat des courses, on a des députés qui ont des niveaux vraiment de sous-quartier. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Quand on a été élu avec la photo de quelqu'un d'autre, voilà les conséquences. Quand on a été élu avec la photo de quelqu'un d'autre, on veut faire plaisir aux jeunes. Les gens sont allés voter en pensant qu'ils votaient Cabral et pourtant qu'on était en train de voter. Je n'ose même pas. Je n'ose même pas. Aller à l'école. Il faut refaire une remise en question. Quand on a des parcs, quand on a un pareil niveau d'intellect, on va faire quoi là-bas? Je me demande même quel est le job de certains députés à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a le piment là-bas? Dites-nous, nous, on veut savoir. Est-ce qu'on vend le piment à l'Assemblée nationale? Nous, on veut savoir. Quand on va parler, vous allez dire que, oh, Ahmed Kamel mal parlé, Ahmed Kamel mal ceci. Comment on peut décider que pour la fête des musulmans, quelque chose de sérieux, quelque chose, ça dit que pour la fête, on décide de couper la route pour la sécurité des Camerounais. Ça dit que pour la sécurité des Camerounais, on décide de couper la route. On voit des gens venir se pavaner n'importe comment. Le mépris envers le mari. Le manque de considération envers le mari. Ça dit que tu viens de démontrer par A plus B aux yeux du monde entier que ton mari est zéro. Que tu t'en fous. Ça, c'est le genre de mariage même que tu te maries parce que tout le monde a dit que maman marie tout un peu, ça fait bien. Mais au fond, ça, c'est le genre de mariage que quand on entre dans les profondeurs du couple, on sait qu'il n'y a rien dedans. On sait qu'il n'y a rien dedans. Je connais des mariages comme ça où on a forcé la fille à aller se marier pour son image. Le résultat, le point, c'est que la fille livre à tout le quartier. Ça ressemble beaucoup. Ton mari ne parle pas. Ton mari ne parle pas, ton mari reste tranquille. Toi, tu sors derrière comme une femme du sous-quartier, comme une femme qui n'a pas d'éducation. Tu sors derrière, comme une femme qui fait le njansang matin, midi, soir. Je ne sais pas pourquoi ça nous étonne. Ça ne doit même pas nous étonner. Ça ne doit même pas nous étonner. Qu'on regarde d'abord la manière qu'elle parle à son mari, on sait que son mari c'est un zéro. On sait que son mari c'est un zéro. On sait que son mari c'est un zéro. On n'a même pas besoin de demander. Qu'une femme, ton mari laisse la faire, ton mari prend le mal en patience, ton mari ronge ça au fond de lui. Tu veux montrer à ton mari que il est tranquille, dis donc, dégage. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai épousé. Maintenant, on sait qui a doté qui. C'est dans les actions comme ça qu'on connaît qui commande le couple. C'est dans les actions comme ça qu'on sait qui a doté qui. C'est dans les actions comme ça qu'on sait que qui a payé sa propre dot. Vous parlez de quoi? C'est juste pour porter le nom de madame. Elle a démontré aux yeux du monde. Elle est sans dis donc. Je te rappelle que c'est moi qui te dote. Hein. Quand elle passe dans les clés de ma voiture, c'est même qui ça? C'est la vérité que vous n'aimez pas. Quand vous êtes dans un parti de jongleurs, on s'étonne. Ça dit que la petite, elle reste comme ça. Passe-moi les clés de ma voiture. Passe-moi les clés de ma voiture. Le gars ferme la bouche. On connaît qui a le contrôle. On connaît qui a le contrôle. On connaît qui a payé le mariage. On connaît qui s'est doté elle-même.
C'est ça qui vous fait mal. Elle a démontré aux yeux du monde là que là, petit, reste tranquille et gère. Tu dégages ton mari de la voiture comme un vaurien, comme un poltron, comme un va-nu-pied, comme un sans-papier, comme un escroc, comme un nanga. Tu dégages ton mari, tu le méprises. Eh, hey, donne-moi les clés de ma voiture. Donne-moi les clés de ma voiture. Donne-moi les clés de ma. Le gars a lu le jour là. Le gars a compris que si, hein, mais la puissance part. Si la gars s'est dotée elle-même et qu'elle a buy all the way elle-même, qui gère ça alors en vrai, vrai. On va dire quand même parle mal. Mais il n'est pas prononcé le nom de quelqu'un. Comme la Maudou maintenant dans le parti des jongleurs, je ne prononce pas le nom de quelqu'un. Comme la Maudou dans le parti des jongleurs, c'est de porter plainte. On a vu le chef jongleur lui-même capable d'aller porter plainte à son frère. Maintenant que le West s'est douté elle-même, qui gère ça en vrai? Qui gère ça en vrai? Parce qu'on a montré que le mari ne pèse pas lourd. Le mari, c'est un poids plume. C'est un poids plume. Est-ce qu'elle est lesbienne ou on ne sait pas? Si elle n'est pas lesbienne, alors qui gère ça en vrai? Parce qu'on sait que le mari a. On sait que le mari n'a pas le pouvoir, n'a pas le charisme, n'a pas l'étoffe. En plein public, en plein jour, tu sissies à ton mari dans la voiture, devant les yeux de tout le monde. Tu prends le volant pour montrer que c'est ma bougna. En tant qu'homme camerounais, quand tu regardes ça comme ça, c'est-à-dire, je n'ose même pas imaginer ce que le pauvre peut subir chez lui. Je n'ose même pas imaginer. Je n'ose même pas. Ce que le gars peut subir, si en plein jour il subit déjà ça. Ça, c'est le genre d'un gars qui peut rentrer à 3h du matin et ne donne aucun rapport au gars. Elle peut faire 2 jours dehors, elle ne donne aucun rapport à son mari. Ça, c'est le genre d'un gars que non, elle fait ce qu'elle veut dehors, elle s'en bat les couilles complètement de son mari. Le comportement est là. Le comportement est là. On va parler de ça comment? Quand tu dénigres d'abord, je n'entre pas d'abord dans le problème. Je suis d'abord dehors. Je suis dehors. Je n'entre pas dans le problème. Quand tu méprises ton mari aux yeux du monde, quand tu grondes ton mari aux yeux du monde, quand tu prends ta voiture aux yeux du monde, tu montres à ton mari que c'est un papier génique. Même le papier génique a l'importance, par contre, il suit les fesses avec. Petite. Tu as démontré aux yeux du monde entier que tu as payé le mariage. Tu as démontré aux yeux du monde entier que tu t'es doté toi-même. Tu as démontré aux yeux du monde entier que celui-là, c'est seulement un poste. Il ne sait même pas si on peut appeler mariage fictif ou bien si on peut... Il y a mariage blanc entre noir. Je ne sais pas, il faut me dire. Mariage fictif, dot fictif. On va appeler ça comment? Quand c'est entre noir, est-ce que ça est non? Pardon, il faut me dire. Parce que nous, on est habitué au mariage blanc en même. Mais c'est au pays maintenant, entre deux noirs, est-ce encore le mariage blanc? C'est une question. Maintenant, est-ce qu'une gars qui a baillé le mari, on a le droit de la colle, madame? C'est encore une autre question. Maintenant, je ne l'ai plus parti là. On va revenir sur ça plus tard. Alors, l'école, ce n'est pas parce que l'école est importante. L'école est importante. Qu'on t'a nommé, c'est-à-dire qu'on t'a voté quelque part avec la photo de quelqu'un d'autre. Qu'on t'a voté quelque part avec la photo de quelqu'un d'autre. Voilà les conséquences, voilà les séquelles. Là, on vous attend à l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas là. Mais par contre, on vous retrouve dans le quartier. Là, on a vu que ça colle, ça dit que ton langage colle. Ça colle avec le quartier. La manière qui s'exprime. On a l'impression qu'elle a retrouvé ses anciennes tactiques de Bayam Salam. On a l'impression qu'elle a retrouvé ses tactiques de Bayam Salam. Hein? C'est même qui? Tu montres le doigt à qui? Maman, le quartier à l'état pur. Le quartier à l'état sauvage. On ne sait même pas qui est qui. Quelqu'un qui est censé être humble. Quelqu'un qui est censé être un modèle. Quelqu'un qui est censé être une référence. On a eu l'impression qu'on discutait un sac d'avocat au marché central à Douala ou bien au marché Mokolo. Vois le niveau des députés aujourd'hui.
on se retrouve en train de parler, de bousculer. Même quand je pense qu'elle a bousculé en premier, je dis, eh, si c'est moi la femme du mec qu'on a vu. Eh, Agnambe, Agnambe, il y a des choses qui font mal. Il y a des choses qui font tellement mal que quand tu regardes la vidéo, on t'a dit que c'est tout le monde. Tu sais même pourquoi le policier a parlé fort comme ça. Parce que quand le policier a senti comment tu as méprisé ton mari, ça veut dire que le policier a eu la rage. Le policier a eu la rage que comment on peut parler à un homme comme ça, il ferme sa bouche. On pensait que peut-être le policier a te parlé comme ça. Pourquoi? Parce que le petit, le policier a vu comment tu as, il dit que comment tu as caca ton mari, comment tu l'as découpé en morceaux. Le policier n'a pas supporté ça. Il vengeait un frère. Et je suis sûr que si on te donne, c'est-à-dire que je suis sûr que si on met quelqu'un au cœur à la place du mari, le gars devait être content jusqu'à. Ça c'est le genre de gars qui reste comme ça. Il dit au policier que petit, touche-moi l'angala bien même. Il reste tranquille. Ça, c'est le genre, c'est-à-dire que c'est sûr que quand on était là, Shiba là-bas, son mari était content mal. Son mari était content mal. Oui. Ne prononce pas ton, il va te laver bien. Son mari, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le policier a parlé pourquoi. Le policier ne parlait pas parce que le gars avait la rage sur l'anga, non. Le policier parlait parce que quand il a senti comment l'anga a méprisé son mari, le gars est resté comme ça, il a invoqué. Non. Le gars a pleuré. Le policier est resté comme ça, il se vendait à son mari qu'il veut te venger. Elle a remis l'anga à sa place. Son mari devait être content jusqu'à. C'est sûr qu'actuellement, son mari elle reste comme ça. Son mari a dit que, hey, merci, hey, tu m'as vengé. La manière qu'on a. C'est-à-dire que, maman, tu récupères ta voiture en public. En public. Hey, les femmes, même plus de honte. On va dire de manger ce qu'on pouvait supporter. Voilà. Quand on vous dit de manger ce qu'on pouvait supporter. Voilà la vérité. Tu peux pas épouser une femme. Attends, le foyer sont les animaux la nuit comme ça. Là. Tu peux pas épouser une femme. Tu peux pas épouser une femme qui t'écrase comme les condiments du Mbongo, qui t'écrase comme les condiments du Koki, qui t'écrase comme les condiments du je ne sais même pas, du terrain. Maintenant, tu trouves quelqu'un dehors qui te vend. Je suis sûr que si on met le mari de l'Angala, le mari de l'Angala allait dire au policier là que je te remercie beaucoup du fond du cœur. Parce que tout ce que je subis, tu ne peux pas imaginer. Elle a arraché sa voiture en public devant tout le monde. Mon frère, j'allais faire comment? Quand on vous demande toujours de manger ce que vous pouvez digérer, voilà une gars qui arrache la voiture en public. Elle arrache la voiture du gars en public. Sa voiture qu'elle a donnée au gars pour que le gars enjoye un peu, pour montrer que c'est lui qui a baillé la bougna. Elle a cacac ça en public. Le gars a fermé sa bouche. Il a fermé sa bouche. Quand le gna a vu ça, le gna ne pouvait pas supporter. Elle démarre la voiture. Elle fonce directement sur le barrière, sur la barrière. Heureusement. Quand le gna est arrivé, c'est-à-dire que le gna parlait comme ça, le mari n'a même pas respecté un peu parce que le mari était content. Le mari était à la place du policier, il était seulement en train de dire que oh, continue mon petit, il fallait venger moi depuis qu'on est marié de maman, depuis. Hey. On peut épouser le genre là. Maintenant, écoutez le langage. Écoutez un peu le langage qui sort dans la bouche de l'anga. Le quartier. Regardez le langage qui sort dans la bouche de l'anga. Le quartier. Je dis, hein, quand on n'a pas fait l'école, même les cours du soir, il fallait faire. Petite, quand on n'a pas fait l'école, même les cours du soir, il faut faire. Niveau bas. Quel est le modèle d'éducation que tu peux donner même à une jeune Camerounaise? De parler comme ça aux autorités? De parler comme ça un agent de police. Le quartier à l'état pur. Maman, quand on n'est pas là à l'école, même les cours du soir, il faut faire. Ça peut te sauver. Voilà. On avait l'impression que c'était Mbayam Salam qui discutait le prix du charbon. On avait l'impression que c'était Mbayam Salam. Tu sais qui je suis? Hein? Comme Mbayam Salam qui a discuté le prix du charbon.
à Mokolo. On va appeler ça à député. On va appeler ça à député. Parce qu'on a fait un peu le Njansang. On a mis deux, trois Brésiliens à la tête. On a poncé la peau. On a pris la photo de quelqu'un d'autre. On l'a nommé comme candidat. On l'a nommé comme député. Et ça s'élève, ça parle fort. Ça parle fort là dehors. Je suis député, je suis député. Je suis sûr que si on regarde même le nom, même son propre nom, elle ne sait pas écrit. Même son propre nom, elle ne sait pas écrit. Je suis sûr que si j'entre même dans le profondeur, son seul diplôme, même c'est le CP. Faut pas qu'on se mente. Faut pas qu'on se mente. On doit se dire la vérité. On doit se dire la vérité. Je suis sûr que si on cherche même le CP là, même je doute, quelqu'un avait composé à sa place. Je parie que quelqu'un avait composé. Parce qu'un langage ordurier, pareil. Non, ça n'existe pas. C'est la première fois de toute ma vie. C'est-à-dire que c'est la première fois depuis la fondation du Cameroun jusqu'à le jour qu'on voit un député parler comme ça là. On avait l'impression qu'on est au quartier Nkane. On est en train de discuter le prix d'une tonne. On avait l'impression qu'on est au quartier Nkane. On est en train de discuter le prix d'une tonne. C'est-à-dire que l'engagé avait les allures d'un gars qui discute le prix d'une tonne au marché. L'engagé avait les allures d'un gars qui discute le prix d'une tonne. Hein? Tu peux qu'est-ce que tu as fait? Hein? Ici, c'est mon territoire. C'est, hein? Il a dit que non, ici, c'est la société. Hé, maman, tu sais à qui tu as fait? Voilà ce qu'on vous apprend. Maman, il fallait faire le coup du soir. Il fallait faire le coup du soir. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Depuis l'indépendance du Cameroun jusqu'à nos jours, c'est la première fois qu'on voit un député parler comme ça là. C'est la première fois. Mais fais un peu l'école. C'est pas possible. Quand les autres partaient à l'école, tu étais où? Même les cours du soir. Même les cours du soir. Même les cours du soir. C'est quel genre de gars comme ça là? Tu sais à qui tu as fait? Maman, tu es au quartier Nkane. Tu es au quartier Nkane. Tu n'es même pas au quartier Nkane. Envoyez la vidéo là, vous savez. Envoyez la vidéo là, vous savez. Aujourd'hui, n'importe quelle personne, quel gars peut se permettre de prendre la photo de quelqu'un d'autre pour qu'on te nomme. Voilà les conséquences. Quand on vous demande de ne pas voter les bâtiments à Missy dehors, parce que vous avez toujours les séquelles, un genre. C'est ça la vérité. Ça me fait mal quand je pense ça. Le pauvre garçon, ça va t'apprendre. Ça va t'apprendre. Quand tu te fais doter, quand une femme te dote, quand une femme paye sa propre dot, voilà les conséquences. Voilà les conséquences quand une femme paye sa propre dot. Elle t'arrache la voiture en plein jour. Pour te montrer que c'est sa voiture. N'est-ce pas qu'on veut dire que tout le monde s'appelle madame, n'importe qui va payer le mariage. N'importe qui va payer le mariage. On parle même de quoi? On parle même de quoi? Une gars arrache la voiture à son propre gars en plein jour. En plein jour, elle n'a même pas attendu la nuit. Elle n'a même pas attendu la nuit, elle a arraché la voiture devant tout le monde. La honte du gars. Donc Tara, ce n'était pas ta voiture. Donc tu fais le show là-dedans, ce n'est pas pour toi. Comment une femme peut te parler fort en public? En public. Je suis sûr que le gars était tellement content quand le policier là était en train de massacrer. Je suis sûr que le gars était content, ça veut dire que le policier a vengé le mari pour une fois. Ça, c'est le genre de gars qui rentre à 2h du matin, il essaie de parler fort, elle te met dehors. On a compris qu'il porte le pantalon dans la maison. Là. On a compris qui parle, qui fait quoi. On a compris. Ce qu'elle a fait même les 3-4 jours dehors, le mari ne peut même pas broncher. Il va broncher quoi? Si on t'arrache la voiture en plein jour, tu vas broncher quoi? Je n'ose même pas imaginer ce qui se passe à la piole. Ça, c'est le genre de mariage où le gars a seulement combo deux fois depuis qu'ils sont mariés. Il dit ma part, et puis quoi? Je dis ma part, et puis quoi? Ça, c'est le genre de couple où tu sens que l'engagne totalement par pitié. Ça, c'est le genre de couple où quand tu vois le couple comme ça, tu sais que l'engagne est dossier dehors. Vous pensez que quoi? Maman, à un moment donné, il faut allonger le contrat. On allonge le contrat comment? On connaît le réseau. Connais le réseau. Je ne veux pas que ça sorte de ma bouche. Je ne veux pas que ça sorte de ma bouche. Ridiculiser son mari en plein jour.
parce qu'on a l'immunité maritale. C'est-à-dire que comme tu t'es doté toi-même, comme tu as organisé le mariage toi-même, comme tu as tout fait toi-même, il faut ridiculiser l'enfant d'autrui. Eh mon Dieu, ça ne m'étonne pas que vous divorcez après. Ça ne va pas m'étonner que vous divorcez après le mandat. Quand on vous dit que les femmes claires, claires de peau là. Quand on vous dit que les femmes qui mettent, c'est-à-dire que les femmes qui sont fausses partout, là, fossiles, faux teint, faux tout. Voilà les conséquences. On vient te ridiculiser comme ça en plein jour. On demande à l'enfant de faire les coups du soir. Il y a même qu'elle, ça. C'est même pas possible. Tu ne peux pas faire les coups du soir. Pour qu'on puisse expliquer ce qu'on appelle immunité parlementaire, tu ne peux pas faire les coups du soir. On bloque pour la mosquée. Toi, comme tu as un gros 4x4, tu débarques pour aller tuer tout le monde. Avec le thème du toxi banana. Après, quand on va dire que c'est toujours les mêmes gens, on va nous traiter de tribalistes. Quand on va dire que c'est toujours les mêmes gens, quand on va dire que c'est toujours les mêmes gens, on va nous traiter de tribalistes. Je suis au village. Voilà, ça avait mon petit feu de bois qui est là. C'est parce que le feu de bois là commence à trop chauffer. Quand on va parler, on va dire que oh, Amer Kamer tribaliste. Oh, Amer Kamer tribaliste. Regardez le comportement. Quand on vous demande, envoyez vos élèves à l'école. Hein. Normalement, il ne se fait pas tard. Il ne se fait pas tard. Envoyez vos élèves à l'école. C'est pas possible. Tu peux tromper ton mari, oui. C'est là la convention. C'est normal, le gars n'a pas douté. Mais tu ne peux pas venir récupérer la voiture en plein jour. En plein jour. Sérieusement. J'ai eu mal à la place du gars. Devant Mondio Vision, elle montre à tout le monde que lui là, Adela Mboutoukou, je fais de lui ce qu'il veut. Je fais de lui ce qu'il veut. C'est ce qu'elle nous a montré. Sans compter son éducation de carnivore là. Insulter un policier, jusqu'à parler, faut jusqu'à bousculer le policier en premier. Tu as la chance que le gars avait trop de retenue. Tu as la chance. Parce que c'était un free boy. Quand tu as bousculé, la gifle partait directement. Hein? Vous parlez à mon mari, vous savez qui je suis. Vous parlez, tu es un mari. Toi, tu peux dire que tu es un mari. Mal élevé comme toi, tu peux dire que tu es un mari. Un mari que tu viens de mépriser, tu as pris la voiture devant tout le monde et tu as appelé. Mais tu as le courage, hein, petit soeur. Un petit soeur, tu as le courage. C'est pas possible. Tu viens d'arracher la voiture dans les mains de ton mari et tu oses dire à un policier qu'il parle comment. Mais c'est toi qui donnes l'occasion qu'on parle à ton mari n'importe comment. Toi, tu respectes ton mari. Tu respectes ton mari toi-même. Mais c'est incroyable ça. Après, on va commencer à parler là dehors. Quand nous on va parler. Jusqu'à ta première phrase. Hein? Regardez comment vous parlez. Toi-même, quand tu as arraché l'éclat à ton mari, tu parlais comment? Quand tu récupérais ta propre voiture en plein jour, dans les mains de ton mari. Hé, le gars, oh. Ça, c'est le genre d'un gars qui trompe son mari. Le mari ferme seulement la bouche. Ça, c'est le genre de mari que je ne sais même pas si elle peut entrer dans le téléphone de Noura. Je ne sais même pas. Si le gars peut m'avoir le courage d'entrer dans son téléphone comme ça un peu, je ne sais même pas. Hein, Amoura. Les gars, vous épousez même quoi ici dehors? Après, le gars va se lever, va dire que j'ai une femme. J'ai une femme. Hey, maman. Faut manger ce que tu peux digérer. Hein, mon petit. Quand tu ne peux pas entrer dans le téléphone du Moura, du Mouawon, t'as dit ta femme, Mouawon. Quand tu ne peux pas entrer dans le téléphone de ta femme, tu appelles que ça ton femme. Hein, Périca. Ou bien c'est vos mariages fictifs que vous aimez abandonner. N'est-ce pas que les gens se marient, vous vous mariez, non? Vous l'affichez ça n'importe où pour avoir les vues. Comme c'est maman vue. Payer les vues, c'est elle. Regardez sur tout son site internet, sur toute sa page Facebook, elle paye seulement les vues à coup de carte bleue. Maman, elle seule, 80 likes, 200 commentaires. On sent que la carte bleue a chauffé. Voilà.
Ça insulte son mari. Donne-moi les clés de ma voiture. Après 2 mètres plus tard. Hein? On ne parle pas comme ça. Toi-même, tu as parlé comment à ton mari. Maman, si le gars-là pouvait parler. Hein? Mon Dieu. Je suis sûr que vous utilisez même le préservatif quand vous combattez. Je te dis, par mesure de sécurité. Par mesure de sécurité. Tu méprises ton mari devant tout le monde entier. Après, tu es arrivé sur la police. Immunité parlementaire, tu ne connais pas. Maman, même le coup du soir, il fallait faire. Hein, Amoura? Même le coup du soir, il fallait faire. Hein? Hein, Amoura? Même le coup du soir. C'est pas cher. Quand tu as fini de vendre le toxi banane en plein jour, avec les mèches, tu viens faire le coup du soir. Tu viens faire le coup du soir. Ça peut t'aider. Voilà, tu ne savais pas que tu allais percer. Maintenant, tu as brise. Vois les conséquences. Vois les conséquences. La visibilité. Tu sais qui je suis. Tu es qui? Tu es qui plus que qui? Tu es qui plus que qui, Amoura? Tu es qui? Partagez le live là, envoyez ça là où vous connaissez. Envoyez ça là où vous connaissez. C'est incroyable. Quel mépris, quel langage. Hey! Je m'étonne qu'il ne prend jamais la parole à l'Assemblée nationale. Je comprends maintenant, aujourd'hui je comprends. Ça part d'Assemblée nationale, c'est le quartier. Tu sais qui je suis. Il faut dire ça à l'Assemblée nationale là-bas. Là-bas, il y a les gringos, les vrais gars, les vrais boys. Il faut dire ça à l'Assemblée nationale que tu sais qui je suis. Ils vont te gérer. Hein, Amoura? Mais c'est une honte. Une honte. Maman, les gens sont en train de prier. On bloque le passage. Il y a une voie de contournement. Madame refuse de prendre la voie de contournement. Yeah. Ouais. Madame refuse de prendre la voie de contournement. Tu vas fonter, tu vas fighter avec les policiers. C'est la partouze. Maman, comme c'est la partouze qui a la mode maintenant. Comme c'est la partouze qui a la mode maintenant. Maman, dis-moi, c'est la partouze que tu cherches comme ça. Après, vous allez parler là-dehors. On a un député. Mais Nalmi. Les gens disent qu'on est député. Ça, là aussi, ça s'appelle député. Avec l'éducation de carnivore, là. C'est-à-dire que tout le Ouattafoufou, là. C'est-à-dire qu'il faut un peu qu'on me mette une vidéo comment tu es en train de parler à l'Assemblée. Une seule. J'ai envie de voir un peu. C'est-à-dire que tu es le genre de député qu'on écrit pour toi. Tu passes seulement, tu lis. J'espère au moins que tu sais lire. J'espère au moins que tu sais lire. Hé, Amoura. Ouais. Amoura. Yong Yihé Ngandak. C'est comme ça qu'on se tourne là-dehors. Après, on va voir le gars parler comme un fou. Ça va vous apprendre à vous, les gars. Vous qui aimez manger ce qui vous dépasse là-dehors. Aujourd'hui, on a l'impression que le gars même c'est un gigolo. Ah ouais, on a l'impression, le gars c'est même, on a l'impression c'est un gigolo. Nous ne nous cachons pas derrière les mots. Qu'une gâte sissia comme ça en plein jour, elle récupère sa voiture. Elle fonce sur la police, tu ne fais rien, tu ne parles pas. On connaît, on sait qui porte le pantalon à la maison. Après tu as demandé le respect. On va respecter quoi dans ça? On va respecter quoi dans ça? C'est pas possible. C'est pas possible. On t'a élu avec la photo de quelqu'un d'autre. Aller parler à l'Assemblée, ça te dépasse. Mais pour te voir dans le quartier en train de faire le show, là on te voit. La honte. Hein? Immunité parlementaire. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que ta part d'immunité parlementaire, c'est de venir exercer ça sur les policiers.
Et je vois tes petits parvenus publier tes photos partout. Oh, soutien, soutien, soutien. Ils soutiennent quoi? La prostitution? Hein? Ils soutiennent quoi? La prostitution parlementaire? Je ne sais pas. Ils soutiennent quoi? La prostitution parlementaire? Dites-moi un peu. Tu as défendu combien de lois là-bas? Tu as défendu quoi? C'est comme ça que vous êtes là dehors. Vous passez le temps à blaser les gens avec votre titre. Oh, honorable, honorable. Le mot honorable, c'est un mot qui impose le respect. C'est un mot qui impose le respect. C'est incroyable. Va porter plainte. Prends ma vidéo, va porter plainte. Prends ma vidéo, va porter plainte. Froisser un policier comme ça, là, mal parler un policier comme ça, là, dénigrer son mari de la sorte. Et je dis merci. Le pauvre. Maman, le pauvre, j'ose même pas imaginer ce de quoi il subit tous les jours. J'ose même pas imaginer. Quand il reste comme ça, il dit seulement que mon Dieu, vous devez manger les choses qui vous dépassent. Voilà ça, il faut manger. Avec un sale comportement comme ça. Là. À sa façon de parler, on sait qu'elle a un sale comportement, un comportement de garce. Un comportement de garce. À la voir parler, elle ressemble aux attaquants du qui vendent le piment là, à Minifem. Tu sais à qui tu as fait. Que tu es qui? C'est incroyable. Elle bouscule le policier en premier. Après qu'on va dire qu'on supporte ceci parce que c'est ceci. On supporte ceci parce que c'est cela. C'est incroyable. C'est incroyable. Puis on va dire que le Cameroun va mal. Quand ceux-là même qu'on a eu n'arrive même pas à se compunir d'abord eux-mêmes. Ça vous apprend à voter les Ngapaplé. Voilà. Mal les Ngapaplé. J'espère que ce n'est pas Cabral qui gère ça. Hein. Parce qu'avoir un pareil arrogance envers son vrai mari, ça veut dire qu'il y a un gars qui gère ça derrière. J'espère que ce n'est pas Cabral. J'espère que c'est pas Kaban Jéré Mouranounou. Hein. C'est la vérité. Faut qu'on se dise la vérité. Vous pensez que quoi? J'espère que c'est pas Cabral qui gère ça. Il y a un genre de marque, c'est la malédiction. Il y a un genre de marque, c'est la malédiction. C'est la vérité. Vous pensez que quoi? On ne gère pas comme tout. Est-ce qu'on ne gère pas comme tout? Est-ce qu'on gère encore comme tout? Ne changez pas de sujet, on est sur ma copine. Ne changez pas de sujet. Quand tu sais du passé, c'est du réchauffé. Donc, maman, prenez le live et regardez ça encore plusieurs fois. J'avais prévu 30 minutes. Regardez ça encore plusieurs fois. Je veux bien me réveiller sur elle demain. Là, il se fait tard, je m'en vais à la chasse. Non, là, je m'en vais à la chasse. Je suis en train de rêver. Ouais. Là, je m'en vais chasser la nuit. C'est là où je risque d'avoir le gibier.
Donc, voilà. Sur ce, passez une bonne nuit. Vous. Maman, c'est vrai ce que vous continuez à débattre là-dessus. Je vais